le lantin tigré, Lantinus tigrinus. Ce champignon, qui est classé non comestible, trouve ses biotopes généralement au bord des rivières, sur les branches, les troncs, les souches, les débris de bois ou les racines de certains feuillus, comme le sol, l'aulne ou le peuplier, plus rarement sur d'autres essences. On peut le rencontrer d'avril à octobre, donc dès les premiers signes du printemps. Il est considéré comme étant plutôt rare. Le chapeau, plus ou moins squamuleux, de brun noirâtre sur fond blanc ou fond graine. Les lames vont du blanchâtre au crème jaunâtre et sont décurrentes. Le stipe blanc, lui aussi, ou crème, et parfois squamuleux de noirâtre également comme le chapeau, mais pas tout le temps. Ce lantin est fréquent dans les milieux donc humides. Il ne faut pas le confondre avec une pleurote, avec un champignon du genre Pleurotus. Donc, le pied est fini à maturité avancée par se creuser. Il est plein au début. Voilà les amis pour cette petite découverte. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.